Je m'appelle Sam El Khansouri. Je suis journaliste et j'ai pris le risque il y a 6 mois d'infiltrer les mosquées clandestines de la banlieue parisienne. Ils se doutent de rien? Impossible. Mais tu comptes arrêter quand? Tu vas quand même partir avec eux? T'inquiète pas, c'est bientôt fini. On a pour mission de créer une cellule d'Al-Qaïda. Rasez vos barbes, fondez-vous dans la masse, fumez, buvez. Défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien. Je te suis. Vous savez que maintenant vous êtes complice. Je peux vous garantir qu'en prison, quand les barbus sauront que vous avez trahi, ils vont pas vous rater. Alors vous allez continuer? Ça veut dire que j'ai pas le choix? Pourquoi est-ce que tu tiens tant à te battre? La vengeance n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il te dit? Commencer à utiliser les autres, ça veut dire quoi ça? Bien sûr qu'il est complètement parano, j'arrête pas de vous le dire. La nuit dernière, il est rentré, il était couvert de sang. Dis-moi ce qui se passe. Sinon, je lui dis que je t'ai vu fouiller dans ses affaires. Je t'ai jamais senti. Je te fais plus confiance. Si j'installais le programme, vous me laissez tranquille. La situation a changé. Mais je m'en fous, putain ! Ok. Non, mais j'arrête, moi. Non, vous avez 2 jours pour trouver qui donne les ordres. Ah ! Une vague d'attentats va secouer toute la France. Notre action sera la première d'une longue série. Ce sera sur les Champs-Élysées, à 1 heure de grande affluence. C'est un grand honneur. Je refuse de tuer des innocents. On est en guerre. Et dans toute guerre, il y a des victimes civiles. Parce que tu crois que la volonté d'Allah, c'est de tuer des enfants?